请各位将发言时间限定在四分钟以内，以便安理会能够快速开展工作。请发言篇幅较长的代表团散发书面文稿，做简短发言。为便于准确传译，请各位保持合理发言语速。 本次公开辩论在午餐时间将继续进行。现在请多哥共和国外交合作与非洲一体化部长罗贝尔·迪塞先生阁下发言。Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sous-secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier la République populaire de Chine ainsi que le Sénégal et l'Angola de l'initiative prise d'organiser ce débat de haut niveau sur la question de la piraterie et des vols armés, -armés en mer dans le golfe de, Gu de Guinée qui témoigne de tout l'intérêt qu'elle porte à la promotion de la paix, de la sécurité et de la, st et de la stabilité partout où elles sont menacées en Afrique en particulier. J'aimerais ensuite exprimer... Euh, au sous-secrétaire général ici présent, mes remerciements pour son exposé euh, euh, sur la question sous-examen. Je sais gré au Conseil de sécurité de l'opportunité euh, qui m'est me, qui offerte de parler de cette question qui est intimement liée à la thématique choisie dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Lomé le 15 octobre prochain. Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer en me posant cette question, quelle est l'importance du sommet de Lomé après les différents sommets qui ont eu lieu sur le continent africain Je vous rassure que face aux préoccupations actuelles touchant à la sécurité maritime et au développement à travers la promotion de l'économie bleue, le 26e sommet, le sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis-Abeba a décidé que le sommet de Lomé doit aboutir à l'adoption et à la signature d'une charte qui sera la charte africaine relative à la sécurité, à la sûreté maritime et le développement. Devant un tel, une telle gravité, il est important aujourd'hui de, de, de reconnaître que ce que nous pouvons attendre du sommet de l'OME est essentiellement l'adoption de cette charte. Parce que pour le moment, jamais dans l'histoire du continent africain particulièrement de l'union africaine il y a eu une charte nommée la charte de l'union africaine. nous avions eu plusieurs euh, décisions qui sont prises mais ce sera la première fois que tout le continent africain se réunira pour adopter une charte qui sera la charte sur la sécurité la sûreté maritime et le développement en afrique. quelle est la nécessité pour le continent africain de disposer d'une charte? monsieur le président mesdames et messieurs il ne fait aucun doute que l'insécurité, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, en mer, sous toutes ses formes, constitue une menace réelle contre la paix et la sécurité en Afrique. Les problèmes auxquels les Africains sont confrontés en ce qui concerne la protection des espaces maritimes, qui exigent une mobilisation collective et générale, justifient nécessairement la tenue de la conférence de l'OME et l'adoption d'une charte dont nous venons de parler. Le projet de charte de l'OME est, est un instrument d'abord de lutte contre l'insécurité maritime et autres actes répréhensibles commis en mer. Nous savons qu'après plusieurs résolutions, les résolutions 2018, 2039, 2184, il est important que l'Afrique, qui est appelée à contribuer aussi à sa manière dans la mise en œuvre de la stratégie africaine des mers et des océans, appelée la stratégie AIM 2050, puisse elle aussi se prononcer sur son avenir maritime. La charte de l'OME, si vous voulez, est également un instrument pour le développement, y compris l'économie bleue. Le projet de charte de l'OME envisage de promouvoir le développement d'une économie bleue florissante, durable et respectueuse de l'environnement dans un espace bien sécurisé. À ce titre, cette charte encourage la mise en œuvre d'une politique commune de pêche et d'aquaculture qui favoriserait la conservation, la gestion et l'exploitation des stocks de poissons. Il préconise des mesures efficaces de lutte contre le, la pêche illégale qui entraîne des manques à gagner considérables aux pays concernés. Par, par ailleurs, l'adoption de ce projet de charte Devra permettre aux États africains de stimuler leur croissance économique par la croissance, par la création d'emplois le long des, des côtes africaines à travers notamment la promotion de la pêche artisanale et la commercialisation des produits de pêche au plan national, sous-régional et international. Il faudrait aussi reconnaître l'importance du commerce international et du tourisme dans la croissance économique des États. Et le projet de charte vient à point nommé rappeler et encourager les initiatives ayant pour objet de protéger l'environnement marin et côtier conformément aux instruments internationaux sur la biodiversité, notamment, et de promouvoir la gestion durable des populations, des, des peuplements marins et des espèces marines protégées ainsi que les écosystèmes associés. Ce projet de charte, mesdames et messieurs, est également un creuset des actes normatifs africains, régissant la lutte contre l'insécurité en mer. C'est un instrument de consolidation de l'intégration régionale et sous-régionale qui vise non seulement à favoriser, à fédérer et à renforcer des cadres normatifs existants et déclinés dans le code de conduite de Djibouti du 29 janvier 2009, celui de Yaoundé du 25 juin 2013 comme vous l'avez cité ici, ainsi que la stratégie africaine des mers et des océans, appelée la stratégie AIM 2050, dont nous avions parlé. Et entre autres, ce projet veut également prendre des initiatives, les actions et les moyens pour, y, pour parvenir à ces fins qui consistent essentiellement à sensibiliser et à donner des instruments juridiques à tous les États africains de pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité en mer. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui aura lieu le 15 octobre prochain, le, euh, prochain à Lomé, marquera certainement une étape importante dans l'existence et la mise en œuvre des objectifs de l'organisation de, de, de panafricaine de l'Union africaine, qui demeure résolument engagée dans le processus de renaissance du continent africain. Il s'agit d'une Afrique qui se veut libre et responsable qui a pleinement à cœur de s'assurer et d'agir en valorisant tous les atouts et toutes les potentialités à sa disposition, y compris, son, y compris en particulier tous ceux dont recèlent ces espaces maritimes pour réaliser son développement et le bien-être de ses populations. C'est le but essentiel, si vous le voulez, du sommet de l'OME le 15 octobre prochain. Je vous remercie pour votre attention. 感谢迪塞部长阁下的发言，请瑞典外交事务国务秘书安妮卡·瑟德尔女士阁下发言。Thank you, Mr. President.